Ce mardi matin, au collège Imara et au lycée Twendeleye, les élèves sont dehors juste une heure après leur entrée dans les salles des classes. Il y a nos amis en classe. Nous, on est sortis parce qu'on s'ennuyait en classe. Nous demandons un peu au président. Nous aussi, on a envie d'étudier pour bien grandir. On a besoin d'une petite formation pour qu'on grandisse bien comme les autres, comme nos parents ont grandi. Ici, aucun enseignant ne veut s'exprimer au sujet de cet arrêt de cours, mais il réclame l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation de primes, selon Jimmy Yav, membre du syndicat des enseignants des écoles primaires publiques, joint au téléphone. Toutefois, les autorités de l'enseignement dans la province du Haut-Katanga se sont déjà saisies de l'affaire. Il serait dans de pourparlers avec les responsables de ces écoles pour une reprise des enseignements. Il y a une semaine, une délégation de la présidence de la République a mené une sensibilisation sur la gratuité de l'enseignement des bases. Elle avait pour slogan « La gratuité n'est pas négociable ». Une formule pour dire qu'on ne peut plus revenir à la perception des frais auprès des parents comme cela se faisait avant. Mais cela semble ne pas trouver bon écho auprès des enseignants mécontents de leur paiement à ce jour.